son père spirituel est en train de juste lui lancer des fleurs, quoi. Jusqu'à mettre ses stars au dos. Vous voyez? Quand j'imagine que les deux sont partis, vraiment, je suis choqué. Lane's Reborn. Wow. Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Lane's Reborn. Bienvenue sur notre chaîne officielle. Je viens de tomber sur une information hors du commun. On nous dit que le père spirituel de ces stars qu'on a perdu il y a quelques années est aussi parti. Quoi? Sérieux? Est-ce qu'elle était malade? Apparemment. Mais c'est choquant. Et toute sa famille, à ce moment, est en train de pleurer. Et c'est vraiment terrible. Là, nous venons de perdre deux personnes. Une star il y a quelques années, une star de la musique, et cette personne qu'elle aimait bien, qu'elle appelait son père spirituel. Juste comme ça. Quel est le mystère derrière ça? Existe-t-il quelque chose de caché? Qui sait? Mais avant d'essayer de savoir ce qui se passe autour de ça, nous allons d'abord commencer par vous présenter comment les deux étaient proches et qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est vraiment triste. On voit ça. Comme vous pouvez le voir, l'écran, c'est de ça qu'il s'agit. Ils nous ont quittés. Qui? Regardez bien. Là, on voit sa femme. Mais la femme à qui? La femme à ses stars. Elle était choquée par ce qui s'est passé. Comme tout le monde, c'est vraiment triste. Mais elle ne savait pas que quelques années plus tard, le père spirituel à son mari allait le rejoindre. Qui aurait pu s'imaginer cela? On dit l'homme meurt, mais c'est pas quoi? C'est pas comme ça? Ah! Qu'est-ce que c'est? Vraiment, c'est bizarre. Encore une autre histoire louche. Une autre histoire vraiment bizarre qui fera parler beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. En tout cas, dès qu'il y a de nouvelles choses, je ferai des vidéos pour vous en informer. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et soyez prêts. Nous allons aller en profondeur. Il y avait une grande amitié qui existait entre ces stars et la personne qu'elle appelait son père spirituel. Regardez par exemple ici. Cesta arrive et embrasse son père spirituel. Voilà. Et vous vous rendez compte que les deux à l'écran, les deux personnes que vous voyez juste là à l'écran sont parties. Hein. Les deux personnes que vous voyez réellement à l'écran sont parties. Et son père spirituel est en train de juste lui lancer des fleurs, quoi. Jusqu'à mettre ses stars au dos. Vous voyez? Quand j'imagine que les deux sont partis, vraiment, je suis choqué. Ah! Jésus. Regardez. C'est mon fils. Il n'y a pas l'homme. C'est mon fils. Il n'y a pas l'homme. Ouais. Est-ce que c'était vraiment son fils? Vous allez voir. Regardez la complicité qui existait entre les deux. Je suis en compagnie de mon père et de ses amis, ses collaborateurs. Voilà, papa, le Mustapha. Donc, Jack. Voilà. Et voici le père. Sa
Majesté, le ministre Ahmed Bakayoko, ministre d'État, dangereux homme de ce pays. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de cet homme encore qui vient de nous quitter. Mais ce qui est étrange, c'est que quand cette star a eu son accident, oui, son accident de moto, son père spirituel s'est chargé de tout et l'a soutenu comme il se doit, on va dire, l'a honoré. Et ça va commencer comme ça. Comme on peut le voir, voici comment cette personne est venue honorer son fils spirituel. On arrive comme ça, sous les applaudissements du public. Comme vous pouvez le voir, elle arrive juste dans la cour familiale de ses stars. Et voilà. Et apparemment, les fans de ses stars, vraiment, l'aimaient bien. Les fans de ses stars l'aimaient vraiment bien. Les fans de ses stars l'aimaient vraiment bien. Et voilà, voici comment ça s'est passé. Voici comment ça s'est passé, juste comme ça. Hey, que aurait-il imaginé que lui-même était arrêté là. Il allait rejoindre son fils. Juste comme ça. Ça, c'est un face-à-face hors du commun. Comme pour le voir, c'est exactement ce de quoi je savais de vous parler. Vraiment, c'est triste quand même. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste, c'est vraiment compliqué. Et par la suite, on a pu constater que cette histoire a fait le tour du monde et toutes stars sont venues se joindre à cet événement. Et certains stars ont participé à ses funérailles. Et son père spirituel était là pour recevoir quand même des dons venant d'une autre star, comme ce que vous voyez à l'écran. Du bon entier, ils sont venus du bon entier pour nous dire que nous n'avons pas eu tort de suivre DJ Arafat. Merci, papa, pour faire mon idée. Il a adopté comme ton fils. Merci, Liga Bramara, il a eu ou pas, qui a pleuré au téléphone, à Chandel. Et qu'elle a. Merci à Davido. Merci à tous ces grands artistes. Dajou, Nazar. Oui, je ne peux pas tous vous citer. Nous avons une raison de croire. Ainsi donc, je partis. Mes frères et sœurs, c'est vraiment grave. Est-ce que vous en rendez compte? Est-ce que vous voyez de quoi nous sommes en train de vous parler? Quand son fils spirituel est parti, il a fait de son mieux pour l'honorer. Sans savoir que quelques années plus tard, il allait lui-même le rejoindre. Ah, c'est une histoire chaude. Même dans la cour familiale de cette personne, c'est même chaud là-bas. Voici ce qu'on a pu avoir comme image. Regardez. Bonsoir tout le monde. Là, c'est chaud. C'est tendu. Comment vous dire? Avec la famille, on est actuellement au domicile des parents de Bakayoko et c'est vraiment. Je ne sais pas comment vous dire. Les mots me manquent et c'est incroyable. Et Tata? Tout le monde pleure. Et Tata? Oui. Et qui est cassé? Hé, maman! Oh. Maman, et qui est cassé? C'est bon, il fait. Ikakasi, pardon. Tata. Il ne faut pas pleurer, tata, tonti. Ikakasi, pardon. Papa, je sais pourquoi je pleure. Pardon, Ikakasi. Waouh. Bon, Aïdji, hein. Aïdji. Ikakasi, hein. C'est bon, Aïdji.
Oui, c'est vraiment triste. Vraiment triste. La mort ne prévient personne. Ce qui me fait mal, c'est que même si vous êtes milliardaire, vous n'avez aucun pouvoir sur la mort. Aucun. C'est pourquoi on prie. Ouais. C'est pourquoi on prie. On dit à Dieu, c'est vrai, nous sommes milliardaires, nous sommes très riches, mais pour ce sont pauvres, faut mettre ta main sur nous pour nous protéger seulement. Il n'est pas fait sur cette terre. Voici une personne qui vient de partir juste comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est chaud. C'est une information que je viens de découvrir et que je partage avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vraiment, c'est triste cette histoire. C'est vraiment triste, c'est triste. Comment vous le dire, comment vous l'expliquer? Quand je vois de telles choses, je me dis à quoi ça sert de courir après les choses de ce monde, à quoi ça sert de courir après l'argent, après toutes ces choses que nous voyons autour de nous. Vanité de vanité, tout est vanité. Regardez. Waouh. Que va-t-il se passer par la suite? Nous allons tout découvrir ici sur ce bord. Soyez prêts. Wow, c'est extraordinaire. Merci d'avoir été de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir bien ce bord de cette troisième chaîne, dans la description se trouve un lien où vous pouvez télécharger des informations bancaires. Que Dieu bénisse vos soeurs. Bonne soirée de vous. Reborn.